Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Peracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 75 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors. J'espère que vous allez bien. Pour ma part les amis, je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 75. C'est au niveau de l'épisode précédent, on avait commencé l'ombre captive des ténèbres, un troisième scénario de Sia sur les 5 qu'il nous reste. Donc les amis, on avait bien commencé parce qu'on avait éliminé pratiquement la totalité des ennemis qu'il y a, donc il nous reste plus grand chose à faire, sachant que même si il va y avoir une autre vague de choses à faire, mais dites-vous que du coup là ça nous restera énormément le travail, donc écoutez, tant mieux, on va pouvoir du coup s'attaquer à la suite. Ah merde, je me suis fait énormément baiser. En mettant pause, attention. Tac. Merci. Niveau 8 ou pas? Oui, niveau 8. Allez, go. Boum, boum, boum. Alors du coup. Merci. Le lézard a bien résisté. Et un nombre d'ennemis par contre. Allez, go. Xanta. Calme-toi, Xanta. On lui on le blesse bien. Oui, on le blesse bien. Oula, oula. Reste sage. Attention. Le Jeep de Ward a un télé décédé. Qu'est-ce que tu fous là? Allez. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fous? Pétage de câble. Allez, go! Boum! Voilà! Attention! Tac! Ok! Xantoba en retraite, pourquoi pas? Les efforts des ennemis sont affaiblis, ok. À partir du boss du fort. Ça c'est fait. Et maintenant on va aller de l'autre côté. À part si ça s'ouvre. Non, ça s'ouvre pas, donc on va battre Midna. Ce jeu est tellement bien. Alors, ah, 2800 KO quand même. Hein. Mais il n'y a pas normalement une autre vague après, il me semble. Hein. C'est bizarre. Hein. Attendez, je veux pas vous spoil parce que, enfin, normalement, vous allez. Enfin, je sais pas si vous voyez que ce let's play, mais. Genre que vous voyez que ce let's play, je veux pas vous spoil, mais. Mais bon. Ça me semble un peu chelou. Il me semble qu'il y a un truc à faire, justement, je crois que c'est ici, il me semble. Là, il me semble qu'il y a quelque chose à faire ici, mais bon. Je vais même déjà, peut-être, d'ores et déjà préparé, mais... Alors, Midna! Ah oui, évidemment, c'est boosté de ouf. Non. Oula, reste sage. Boum, boum. Attention. Oula, c'est sage. Ok. Eh, doucement, Midna. Voilà. Trois. Et s'il te plaît. Eh oui, occupé. Midna, s'il te plaît. Oh putain, eh oui, je vais me faire baiser, mais... J'ai pas le choix. Parfait. Midna est blessé.
Les portes de la chambre du roi sont ouvertes. Beaucoup d'ennemis sont apparus. Midabba en retraite. Ça fait merci. Retraite renforce l'armée de Xanto. 3000 ennemis. Le petit matériau. Si, là. Oh putain, d'accord. Eh oui. Eh oui. Et bon, ça va y aller fort donc. Oh putain, ouais. Mais normalement, il est censé avoir autre chose derrière. Il me semble, hein. Normalement, hein. Si, peut-être dans cette version, alors il y a pas, peut-être, mais. Hein. Voilà, calme-toi. Calmez-vous, mes enfants, calmez-vous. Vaincre Xanto. Ah, yes. Notre ami. C'est notre ami, ça. Hé hé, j'y m'y attendais. Ah oui, évidemment. Le fameux Pyrodactylus. Que j'aime énormément. Mon boss Zelda préféré de tous les boss Zelda. Pyrodactylus, Pyrodor, Pyrogène du Crépuscule. Pétéosaure, donc du coup. On va pouvoir aller directement là. Oh bah ouais, on va l'affronter directement. Oh oui, oh j'avais oublié ce léger détail, je voulais cliquer. C'est vrai qu'on n'est pas sur la manette, quel con. Oh le bâtard, t'as de la chance hein. Allez, au sol. Merde, par contre, eh oui. Mais attendez, mais je suis baisé là, non? Attendez, je suis baisé. Il doit pas s'enfuir, c'est bien, mais... Quel con. Je me suis fail. Mais quel con, les amis, je me suis fail. Je me suis fail de bouton. Oh là là, désolé, les amis. Ah ben là, on doit recommencer. On doit recommencer. Oh putain, quel con. Promis, je me suis fail. Oh, mais quel poulet. Oh. Ouais, là, j'imagine on reprend directement depuis le truc, hein, depuis la sauvegarde, en fait. Oh là là, quel poulet, mais quel con. Eh ouais. En fait, dès qu'il y a Midna... Alors là, je suis désolé, hein. Je suis clairement désolé. Voilà, je suis vraiment désolé. Bon, ben... Putain, je suis désolé. Honnêtement... Putain, quel con. Mais vraiment, quel con, quoi. Je me suis fail de bouton. Bon, ben, les amis, hein... Alors, si vous voulez peut-être ellipser tout ça, aller jusqu'au passage où j'ai détruit Midna, par exemple... Donc vous le verrez sur le petit time en bas, enfin vous voyez la petite preview quand vous passez la souris. Mais ouais, je suis désolé, honnêtement je suis désolé. En fait honnêtement je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment honnêtement pas faire ça. Je sais pas pourquoi. Déjà pour pas me faire baiser, pour gagner un peu de temps. C'est impératif qu'il faut il faut vraiment que je prenne le fort quoi. Allez. Oh putain, vraiment je me suis fait totalement je me suis vraiment fail totalement. Je suis désolé, honnêtement je voulais vraiment pas faire ça quoi. Boum boum boum. Ah mais c'est qu'il n'y a plus grand chose qu'un ennemi ici. Putain, je suis vraiment désolé, honnêtement, j'ai fait le con.
Ah là 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 là, je vous jure, quel con. Le boulet. Alors là, c'était vraiment la boulette. Là, c'est vraiment la boulette. Il faut empêcher l'autre de fuir, là. Donc, en plus, le pire, c'est que une fois que j'ai battu Midona, il faut impérativement que je retourne ici et vide, pour prendre de fort et ouvrir le passage. Une fois que j'ai battu Midna, à mon avis, je vais directement sauvegarder, comme ça, je suis tranquille. Je me ferai pas baiser, quoi. Ah, vous avez vu le méga détour qu'il faut faire, quoi? Ça me rend fou. La chambre du roi. Et doucement, oh putain, je me suis fait défoncer, là. Allez, calmez-vous tous. Allez, le fort est midlife. Oula, 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 calme-toi. Alors du coup, 3000 ennemis. Aïe, 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 elle fait mal quand même, hein. Elle fait mal. C'est ouf, hein. J'aurais pas comme ça, mais elle fait mal, hein. Allez, allez, vite. Allez, à partir du boss du fort. Et maintenant, on sauvegarde. Parce que il va y avoir Xanto de l'autre côté. Et maintenant, on court directement... direction le, bah, le fort du bas pour ouvrir et éviter que Xanto fuit. Sinon c'est la défaite. Merde, je suis trompé d'endroit. Alors, ou du moins, attendez, Xanto n'est pas apparu parce que je n'ai pas éliminé Midona. Donc il y a peut-être une possibilité. On va la laisser Midona. Je l'ai bien blessé. Voilà, on va la laisser Midona. Comme ça, là-bas, et directement, on court vers Xanto, du coup. On va quand même prendre des forts, comme ça, au moins, si on peut les prendre d'ores et déjà, on va anticiper la chose. Ah, dans cette version, je n'ai pas l'habitude, vu que dans cette version, de base... enfin, dans l'autre version, on contrôle du coup tous les persos. Donc en fait, là, normalement, j'amène un perso ailleurs. Donc c'est ça qui est compliqué. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose ici. Voilà, il y a énormément d'ennemis. Boum, boum, boum. Alors du coup, alors boum boum boum. Bam. Allez, let's go. Après on va battre Midna et après on est tranquille. Là normalement ça va nous ouvrir du coup les portes. Alors du coup, boum, l'apparition du boss du fort. Merci. Et ça ouvre pas la porte? Ah bah là je suis baisé, hein, si ça ouvre pas la porte. Donc je suis vraiment obligé de battre le Pyrodactylus en temps record. Pourquoi pas? On va quand même prendre tous les forts, comme ça au moins on est tranquille, quoi. Alors du coup, boss du fort, merci. 3500 ennemis maintenant. Let's go pour battre Midna.
Oui, je sais pas si est-ce que ça va ouvrir les portes en bas. C'est la bonne question. Parce que là, je vais me retrouver baisé en fait. Parce que si je dois battre le Pyrodactylus en temps record, pour que ça ouvre la porte, on y est mal, hein. Voilà. Attention. Putain, elle fait mal quand même, hein. Vu qu'elle est surpuissante. Alors du coup, mission complete. J'avais un Kumidona. Les portes sont ouvertes. Vu que c'est pas moi qui l'ai tué, est-ce que ça va me donner le truc? Oui, ça va. Et maintenant, je sauvegarde, parce qu'on sait jamais si est-ce que je dois battre le Pyrodactylus maintenant ou pas. Je sais pas, ça va ouvrir les portes. Et, ouais, et là, du coup, je me retrouvais baisé. Aïe, 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 ça va être dur, parce que là, je dois faire tout le tour. Sinon... je devais employer la force. Ouais. Vaincre Xanto. Vous êtes piégé de toute manière, vous ne pouvez pas m'atteindre. Pyrodactylus, gardez les portes. Ouais, en fait, il faut battre le Pyrodactylus en World Record. Il faut battre le Pyrodactylus en World Record. Donc, bon. Pyrodactylus, Pyrodactylus, Pyrodosaure, Pyrogène du Crépuscule. Allez, go. Allez, là, il faut pas perdre de temps. Tac. Ah ouais. Encore, encore. Xanto ne doit pas s'enfuir. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Next try. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, c'est bon. Macan a rejoint le champ de bataille. Évidemment. Vite avant que l'autre y parle. Putain, j'en peux plus. Il va où là, Xanto? C'est bon, Volga l'intercepte déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est quoi? On a de la jauge de magie. J'aimerais bien battre Macaon honnêtement. Est-ce que je suis trop gourmand? Sûrement. Ouais, gain XP. Cœur plus fréquent. J'abuse un petit peu quand même. Matériaux plus rares. Ok. Arme de haut niveau, enfin plus de haut rang fréquent. Et normalement, je pense que ça va défoncer tout le monde, non? Voilà. Suis-je gourmand ou suis-je pas gourmand? Parce que j'aimerais bien quand même battre Macaon. Et vous savez quoi? Les sauvegardes sont là pour ça. Voilà, sont là pour ça. Tac. Et du coup, c'est parti. Il s'enfuit pas. De toute façon, Volga l'intercepte. Merci. Matériau obtenu. Alors par contre toi. Merci.
Eh ben putain. Allez go, maintenant on va vite défoncer Macaron. Avant que Xanto meure et que je puisse plus affronter Macaron. C'est à côté donc ça serait dommage parce que... J'aimerais bien au moins avoir le matériau quoi. Enfin si elle me donne un matériau mais... Le matériau quoi. Allez, 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 on se précipite. On se manie. Merci Macaron, ça va la souffrir un petit peu. Peut-être elle qui va pouvoir nous ouvrir du coup les portes d'ici pour aller de l'autre côté. Ça serait bien. Eh oui, éliminez Macaron et prenez la clé. Hop. Elle est magnifique Macaron. Ça fait de la peine de lui faire mal. Elle est toute magnifique, elle est toute belle. Oh, t'as de la chance toi. Merci. Oula. Et voilà, niveau 9. Oui, le matériau. Et du coup, on ouvre la porte. Parfait. Et maintenant, on va défoncer Xanto. Qui d'ailleurs, normalement, a pratiquement plus de vie. En plus, voilà, le garde aurait dû normalement un peu l'enchaîner. Ouais, ça va. Prend un petit peu de dégâts. Et ça, c'est juste pour l'XP et le matériau en question. Alors, par contre... Vous allez tous mourir, hein. Boum. Voilà. C'est bon. Tout le monde est éliminé. Parfait. Et normalement, Xanto, ce sera la dernière attaque. Parfait. Et le matériau rare. Bon, bah écoutez. Nickel. Tout est fait. Absolument tout. Alors pas évident parce qu'en fait ouais je me suis fait déborder à un moment et surtout que j'ai quitté le truc comme un con. Donc bon voilà quoi. Mais bon sachant que Volga l'a intercepté, ça mentionnait plus vous voyez. Mais bon voilà, en tout cas c'est fait. Donc on va aller dans la badgerie, on va s'équiper pour la prochaine fois, voilà, pour le prochain épisode, qui sera la semaine prochaine. Alors du coup normalement il y aura encore un mini planning la semaine prochaine, donc ça sera mercredi. Logiquement, donc dans 3 jours pour vous, hein, si on... Dans 3 jours. Et elle est magnifique, mais mon dieu. Oh, oh là là, qu'elle est belle. Sia, mais c'est un truc de dingue. Ah, hein. Oh, c'est un fantasme, elle-même, je vous jure. Et du coup, plein d'argent. Oui, 800 000 rubis en plus. 808 000, là. Pour un sceptre de temps 88 de dégâts attaque forte 4, épandé à 404 de dégâts attaque forte 4, ballon pétale de rose 88 de dégâts attaque forte 3, et baguette de feu 80 de dégâts slot vide. Pour 3 cendres de Jeep de Wardin, une pierre magique de Xanto, un panier de Macaon, 8 pièces armure de Dark Tint, 9 pendelets de Jeep de Wardin, bien plein de choses que nous avons plus, 29 temps de monstres et 21 tôles de monstres. Bien. Bah écoutez, on va y aller. On va tout mettre dans la badge, enfin dans les badgeries. Même si, à mon avis, on aura encore plus rien après, mais c'est une habitude. Hein. Et Célestebourg, du coup, ce sera dans l'épisode prochain. Et toujours Sia en efficace, donc on sélectionnera Sia. On n'a pas utilisé Volga, par contre, hein, donc ça serait bien de l'utiliser un petit peu de temps en temps, mais ils veulent pas qu'on l'utilise. On veut pas. Ils veulent pas. Oh oui, avec Ganondorf, regardez. Alors, épée de bois 3, nouvelle attaque faible, trident. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois Y. Seul requin, une patelette d'Egypte de Harden sur 9 et une tôle de monstre 298 et 100 rubis. Épée de bois 3 va être créée. Voulez-vous continuer? Bien sûr. Le badge épée de bois 3 a été créé. Parfait. Ensuite, est-ce qu'on va faire autre chose? Ah oui, oui, hein, ça c'est une certitude. Voilà, avec Linkle. Gant Cross 2 1 permet d'infliger de faibles dégâts aux ennemis quand ils se protègent. Cela requiert 3 pièces armure de Darkness sur 8 et 2000 rubis. Gant Cross 2 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Bien sûr. Le badge Gant Cross 2 1 a été créé. Bot Désir 1 augmente un peu le temps de libération du pouvoir magique. Cela requiert 2 pièces armure de Darkness sur 5 et 500 rubis. Bot Désir 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui.
Le badge Bot Desert 1 a été créé. Ensuite, School Kid. On peut même faire le feu de nain 3. Facilite beaucoup le remplissage de la jauge de coup fatal. Cela requiert une bouclier de Captain Hyrule sur une. Deux quantités de Captain Hyrule sur 22. 200 d'Ogive de Harden sur 4 et 3000 rubis. Merde. Un feu de nain 3 va être créé. Voulez-vous continuer? Bien sûr. Et voilà, badge ultra rare. Le badge feu de nain 3 a été créé. On peut faire autre chose. J'ai pas l'impression. Ah, si, avec la Vio. Alors, Grand Cross 2 E1 permet d'infliger de faibles dégâts aux ennemis quand ils se protègent. Cela requiert 3 badlets de Jeep de Harden sur 8 et 2000 rubis. Grand Cross 2 E1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui, on repasse sous la barre de 800 000 rubis. Le badge Grand Cross 2 E1 a été créé. Ensuite, ok, ici, est-ce qu'on peut faire des choses? Sûrement, hein. Oui, regardez. Alors, bouclier miroir 1 réduit un peu les dégâts subis quand les ténèbres sont l'élément efficace. Cela requiert 2 pièces armure de Dark Moon sur 3 et 1000 rubis. Bouclier miroir 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui, on en a bientôt plus, donc voilà, le badge bouclier miroir 1 a été créé. C'est ouf, comme ça, part vite. En fait, vu que tous les persos, du coup, ont besoin des mêmes badges et que du coup, les autres n'ont pas les badges de la période de Wind Waker, en fait, si vous voulez. Donc, en fait, c'est ultra galère à mettre les badges et tout ça parce que c'est tout le monde qui demande les mêmes choses et c'est ouf. Amour de Nehru 1 empêche le premier coup d'une attaque subie de vous faire reculer. Cela requiert 3 badlets de Jeep de Warden sur 5 et 1000 rubis. Amour de Nehru 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Amour de Nehru 1 a été créé. Ensuite, on peut faire autre chose ou pas? Oui, avec Levio. Alors, armure magique 1 réduit un peu les dégâts subis quand la foudre est l'élément efficace. Cela requiert 2 badlets de Jeep de Warden sur 2, donc on n'en aura plus du tout. Et 1000 rubis. Armure magique 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Armure Magique 1 a été créé. On n'en a plus. Il fallait s'en douter. Hein. Et là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, avec Midna Forme Humaine. Bracelet Gouron 2. Donc, augmente beaucoup le temps de surpuissance des bombes. Cela requiert un sceptre de Sia sur 1, 2 bracelets de Sia sur 2 et 200 de Jeep de Harden sur 2 et 2000 rubis. Bracelet Gouron 2 va être créé. Voulez-vous continuer? Un badge ultra rare. Et ben voilà, le badge Bracelet Gouron 2 a été créé. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Je n'ai pas l'impression. Ok, bon bah écoutez, on aura pas mal évolué les persos. Alors par contre, du coup, au niveau de... Ouais, voilà, gars. Ça craint quand même. Et donc du coup, bah, la fois prochaine, on ira tout simplement là où tu le voudras. Non, vraiment, on ira du coup, voilà, hein, toujours à la même chose. Il y a mon ténèbre, toujours à la même chose. Donc, on ira dans Célestbourg, voilà. Donc, en facile, hein, comme d'habitude. Le Maître des Cieux, donc ça sera l'avant-dernier scénario de Sia pour du coup après s'attaquer au mode aventure, les amis, qui est d'ailleurs bientôt... Voilà, pour bientôt, hein, dites-vous qu'on commence à se rapprocher petit à petit de ce mode aventure avec du coup énormément de choses à faire. Hein, on se souvient, il y a évidemment Ruto, il y a Macaon à débloquer, il y a Xanto, il y a Giraim. Donc, ouais, effectivement, il y a du taf et on peut voir du coup hein, voilà, des Spookula, des trucs avec des persos et tout. Donc, écoutez, voilà quoi. Ensuite, la carte Master Quest, évidemment, avec toujours des personnes à débloquer. Hein. Normalement, je crois. Même pas. Oh, ben, j'aurais rien dit, même pas. Je croyais, même pas du tout. Donc, non, il n'y a rien du tout. Carte du crépuscule, peut-être. Non, mais du tout. Carte Termina. Et là? Pas du tout. Attendez, mais il me manque beaucoup de personnes. Hein, je sais plus. Ah non, ouais, il m'en manque que 4. Donc oui, c'est bien les 4 de la première map. Bon, mais du coup, voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve du coup, normalement, je dis bien normalement, mercredi pour l'épisode 76 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.